Salut les monkeys, aujourd'hui on se retrouve au Mont Pivot par une journée magnifique, 36% d'humidité, allez 7 degrés, les condis parfaites pour aller péter du bloc. Ah, même pas 7 degrés, je crois qu'il fait 10-11. Hein. 10-11 degrés, bon peut-être, j'ai pas le thermomètre. C'est vraiment dans mon style, faut serrer des crunchs, petites crunchs, prendre des ballons, envoyer, vraiment technique. Donc on y va, on va vous montrer ça un petit peu, on va vous montrer les prises, etc. Et c'est parti. Du coup, c'est comme ça que tu t'échauffes, Kant? Ouais, je mets quelques trucs et je laisse faire le corps. Je m'échauffe à la maison parce que autour de ce bloc, il n'y a pas de bloc qui me permette de m'échauffer spécifiquement pour celui-ci. Parce que c'est vraiment un bloc à doigt où il faut serrer, gainer. Donc je vais perdre du jus si je m'échauffe dans ce bloc. Et j'ai pas envie de me faire bobo, donc voilà, je préfère m'échauffer à la maison et arriver chaud pour péter le bloc, quoi. Hop, voilà. Commence à venir la précision. On se repose un peu, je repars dedans. Au bout d'un moment, ça commence à se chauffer. Et en attendant, bah, j'essaie de faire les montages vidéo qui traînent un peu depuis longtemps. Et après, je peux m'entraîner un peu les bibis. En blocage. Le côté obscur de la poutre. Voilà, le côté obscur de l'autre côté. Ici, vous allez mettre 4 mm. Je vais aller péter mon projet. Enfin, j'espère. Il y a besoin de combien de pads? Ouais, deux petits, ça suffit amplement. Et une pizza. Le bloc est pas haut. D'après pas mal de personnes qui l'ont fait, c'est un 8 à dur. Ah, mais moi, il me convient. Donc, trouver que c'est dans sa cote par rapport aux qualités physiques que j'ai, qui est tenir des réglettes. Voilà. Bon, bah moi j'ai installé les crash pads, voilà, j'ai fait un petit truc de pad là. Je commence à faire l'installation parce que Quentin a perdu son chausson en cours de route. J'ai retrouvé mon chausson, petit échauffement là. En fait il fait super chaud. Donc voilà, le petit chausson. Les inconvénients d'être un mec bordélique, tu perds tout quoi. Oh ah, je suis pas trop mal. Petit soleil et tout, ça va. Puis je me suis trouvé un petit coin pour m'asseoir, donc je suis assez confort. Hein, Tao?